Computer. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Prise de l'audience. The court donne à présent la parole session. À la défense de Kyosampan afin qu'elle puisse interroger le témoin. The Kyosampan defense to continue examining the witness. Monsieur Bensik, nous reprenons. Mr. Bensik, we are resuming the examination. Est-ce que vous avez été le chef militaire de la région 42, the military du secteur 42. Of sector 42? Non. Answer, no. Je vous dis ça parce que dans la déclaration de Kepik Vanak, document E3-35, ERN en français 00367724, ERN en Khmer 00340566, ERN en anglais 00340661525. Et voilà ce qu'il dit à propos de vous. This is what he says. As quant à TAPO, free translation, donc PHOS, il était le chef militaire de la 42e région. Ensuite, il a été envoyé à Krochmar pour aider à organiser le district de Krochmar. Son nom d'origine était Ho. Fin de citation. Est-ce que vous savez pourquoi Kepik Vana a apparemment dit aux enquêteurs des Jeux d'instruction que vous étiez chef militaire de la 42e région? Non, ce n'est pas vrai. Answer, no, that is not parce qu'après la zone de pêche, j'ai pris mes fonctions de chef de garage des travaux zone, publics et au bout de quelques mois, je suis allé au commerce et quelques mois après cela, j'ai pris mes fonctions de chef adjoint de district et au moment où je suis arrivé là-bas, le chef du secteur s'appelait Poon et c'était à l'ouest du garage ou des travaux publics. Et est-ce qu'à un moment ou un autre de votre carrière avant ou après, enfin avant ou pendant le Kampuchea démocratique, vous avez occupé des fonctions militaires? Puisque vous nous avez expliqué que parmi vos fonctions à Krochmar, il y avait celle de recruter des soldats. Est-ce que c'était en lien avec une quelconque formation militaire que vous avez reçue à un moment ou à un autre? Non. Je n'étais pas entraîneur. En fait, le recrutement se faisait par l'intermédiaire des chefs de commune. Ensuite, ces éléments recrutés ont été envoyés à l'armée aux fins d'entraînement. J'avais cru comprendre de votre déposition tout à l'heure que vous aviez vous-même formé 200 militaires avant de les envoyer à un autre niveau. Non, ce n'est pas exact, parce que je n'étais pas entraîneur, je leur donnais des instructions pour qu'ils luttent contre les dissidents et les Vietnamiens afin de défendre le territoire Khmer et de se défendre. À l'époque, Chie Sim est devenu valet des Vietnamiens.
Et donc, pour nous, nous devions faire attention ou être prudents et s'entraîner. Et en fait, à l'époque, il fallait que l'effectif soit suffisant pour que ces éléments soient enrôlés. En fait, je n'étais là que pour leur donner des informations afin qu'ils puissent comprendre la situation. Everyone should know exactly. Je voudrais maintenant passer, comme je vous l'avais indiqué plus tôt, aux déclarations que nous avons entendues de certaines personnes Cham qui ont évoqué des événements à Trier et qui ont évoqué la présence du chef de district Ho. J'ai bien compris votre déposition selon laquelle ce n'est pas l'alias révolutionnaire que vous avez utilisé lorsque vous étiez à Krochmar, mais en toute équité vis-à-vis de vous, je voudrais vous permettre de réagir à un certain nombre de déclarations. Un certain nombre ont déjà été faites par M. le coprocureur, mais je voudrais plus précisément vous indiquer ce qui a été dit exactement par certains témoins. Je vais commencer tout d'abord par Mme Nosatas, qui a témoigné à l'audience du 28 septembre 2015. Et un petit peu après 15h04 et 49 secondes, voilà ce qu'elle dit. Elle évoque d'abord son arrestation dans une maison de Trier, une maison sur pilotis. Et voilà la question qui lui est posée. Votre avocat vous a posé des questions et vous avez dit que le chef de district Ho est venu vous poser des questions. Comment le connaissiez-vous? Sa réponse est la suivante. Je savais que c'était un nouveau chef de district qui venait de l'autre côté rive, de l'autre rive du fleuve. Ho était le chef de district. Je ne me souviens pas du nom de ses adjoints. Peng et le membre s'appelait Chim. Il y avait aussi des soldats dont les noms dont je ne me souvenais pas des noms. Et d'ailleurs, leur bureau n'était pas loin du fleuve à l'époque. Madame la partie civile, c'est la question qui lui est posée. Madame la partie civile, je voulais savoir comment vous saviez qu'il était le chef de district lorsqu'il est venu voir votre groupe. Sa réponse est la suivante. Je savais qu'il était le chef de district car ce sont les soldats qui me l'ont dit. J'ai donc su qu'il était chef de district, Ho, et j'ai su, c'est ainsi que j'ai connu l'identité du chef de district, son adjoint et du membre du district. D'ailleurs, on nous a dit qu'ils étaient responsables du district et que Ho était le chef. Fin de citation. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir été dans une maison non loin du fleuve sur pilotis dans laquelle il y avait des femmes auxquelles on vous aurait présenté comme étant le chef de district Ho? No, I did not know about this matter. As I said, during that period of time, I spent most of my time at the work site, and there was no fixed district office. It was constantly on mobile, sometimes it was in the pagoda, sometimes it was in the commerce office. And when I was at the work site, it was close to a military barrack, and I worked and stayed with the people there. Et je vivais avec les gens là. Cette même Madame Nosatas, un petit peu avant 15h09, la même journée d'audience, indique une interaction avec Ho. Et elle dit, Ho
le chef de district, the district chief, il a dit que j'étais vietnamienne. Said that I was Vietnamese. Et j'ai protesté. J'ai dit non. J'ai dit que j'étais Khmer. Et c'est la troisième fois, que je lui ai dit que j'étais une fille Khmer, qu'il a finalement accepté ma réponse. Et on m'a permis d'aller de côté. Et après, d'autres femmes qui venaient de mon village ont dit qu'elles étaient Khmer quand on leur a demandé si elles étaient Khmer ou Cham. Il ne demeurait que 30 d'entre nous à peu près, celles qui avaient dit qu'elles étaient Khmer. Fin de citation. Donc, Madame Nosatas part d'une interaction avec Hor, demandant de quelle origine ethnique elle serait. Et pour que ce soit complet, dans le cadre de sa déposition à l'audience, elle a indiqué que les personnes qui disaient qu'elles étaient Cham avaient ensuite été enlevées pour être exécutées. Est-ce que vous avez participé à un tri entre des personnes Cham et Khmer et ordonné l'exécution des personnes d'origine Cham? No, I did not involve in non. Any of such selection. Je n'ai pas participé à quelconque tri. When I was in Krochma, there were other cadres and quand other district soldiers who worked there. De district qui y travaillaient. And I myself do not know this Madame Sata in Krochma at all. Je ne connais pas cette Madame Sata à Krochma. Le même jour, toujours le 28 septembre 2015, un petit peu après 15h23, Mme Nosatas indique qu'il y aurait eu une soupe de préparée à base de porc qui aurait été utilisée comme test pour savoir si elles étaient Cham ou pas, compte tenu de l'interdiction de manger du porc pour la religion musulmane. Et voilà ce qu'elle dit. Seul notre groupe, le groupe de 30 femmes, a reçu pour instruction de manger cette soupe. Hor n'a pas mangé la soupe avec nous. Il y avait des soldats là qui nous regardaient et qui voulaient voir, qui vérifiaient si nous mangeions la soupe. Et c'est la première fois que j'ai mangé du porc. La question suivante lui est posée. Même si Hor n'a pas mangé la soupe, était-il présent quand on vous a fait manger la soupe? Réponse. Oui, Hor était là. Il avait la responsabilité générale. Il y avait aussi le chef, donc. Il y avait Hor, le chef de district et des soldats. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Est-ce que, oui ou non, dans le cadre d'un tri pour savoir si les personnes étaient vraiment Khmer, vous avez ordonné la préparation d'une soupe à base de porc et attendu que les personnes mangent cette soupe pour savoir si elles étaient Cham ou Khmer? Did not issue such an instruction. Je n'ai jamais donné de tel ordre. Un autre témoin witness, a évoqué un haut spoke about à Kochmar. Il s'agit je retrouve son nom, du témoin de TCW 904 dans sa déclaration E3/5196 ERN en français 00274740 ERN en anglais 00223088 ERN en Khmer 00204457. Voilà ce qu'il indique.
Le bureau de sécurité avait été construit dans ce village sous la direction d'une personne s'appelant Ho, un Cambodgien provenant de l'autre rive du fleuve de la zone centrale. Cette personne était responsable de l'arrestation de plusieurs Chams. Elle avait arrêté Sim et Han et avait convoqué tous les villageois à se rassembler dans la pagode pour leur expliquer leur tâche. Après la réunion, on a ordonné aux villageois d'apporter leurs vêtements pour aller suivre une formation, mais j'ai refusé et je suis resté chez moi. Je ne les ai jamais revus. Fin de citation. Donc ma question est la suivante. Avez-vous été à l'origine de l'arrestation de plusieurs Chams? Et avez-vous convoqué des villageois dans une pagode pour leur expliquer leurs tâches? Non. Allow me to specify. Et laissez-moi préciser. One even said that I was a sector soldier, but in fact I was not. On a dit regarding this activity, I did not involve pas. In such an activity at all. By that time, during this chaotic situation, I spent most of my time at the work site. La majeure partie de mon temps sur le site de travail. Je voudrais maintenant évoquer avec vous la déclaration d'un autre témoin. Il s'agit de 2 TCW 928. C'est une femme Cham qui dit dans sa déclaration E3/5194 ERN en français 00268839 ERN en anglais 00274708 ERN en Khmer 00204407. La question est la suivante, et on parle de, elle évoque les exécutions de Cham, et voilà la question qui lui est posée. Quel est le responsable Khmer Rouge qui était en charge de ces exécutions? Réponse, c'est le dénommé Ho, chef du district de Krokshmar. Il est resté 7 mois sur place pour mener les exécutions. Je ne sais pas s'il est toujours en vie. Fin de citation. Dans ce même PV, elle indique à l'ERN en français le même 00268839 et ça se poursuit sur la page suivante 40. Le RN en anglais, le même, donc 00274708, et ça se poursuit sur la page suivante en anglais. Et enfin, en Khmer, toujours la même page, 00204407. Elle explique comment elle a pris la fuite et elle dit « Nous, mon mari et moi, avons pris la fuite dans la forêt car Ho a déclaré qu'il exécuterait tous les 70 couples qu'il avait mariés et je ne savais pas pour quelle raison il a pris cette décision. » Fin de citation. Donc tout à l'heure, je vous avais demandé si vous avez participé organisé des cérémonies de mariage à Cham Karleu. Ma première question ici, ce sera, est-ce que vous avez participé au mariage de Cham et d'autres personnes à Krokshmar? Première question. Et la deuxième question, est-ce que vous avez déclaré que vous alliez exécuter tous ces couples? No, I did not participate in the wedding
ceremony nor to conduct any plan to kill the Cham people. De mariage, et je n'ai pas non plus participé à un plan pour tuer des Cham. Dernière citation d'un témoin que je voudrais vous faire commenter. Il s'agit de 2TCW 893, document E3-2653, ERN en anglais 00219179. ERN en Khmer 00904397. Et en français, la traduction n'existe que sur une page. Et il s'agit du document E3-9323. Voilà ce que ce témoin indique. Il indique que fin 1978, il a conduit une moto pour le secrétaire du district qui ne savait pas rouler en moto pour l'emmener à une réunion dans le district de Sandong de Kampong Thom. Ce témoin précise qu'il n'a pas assisté en tant que tel à la réunion, mais qu'il a entendu ce qui se passait. Et voilà ce qu'il dit. À un moment donné, pendant la réunion, Kepok, qui était secrétaire de la zone centrale, dont les représentants venaient tout juste de mettre la main sur la zone orientale dans le cadre d'une violente prise de pouvoir, a demandé au secrétaire du district de Krochmar quel pourcentage du plan défini par le parti a-t-on réalisé ? Et ce témoin indique que Kepok a ensuite précisé : vous devez d'abord détruire les Cham, des forces mobiles, ce sont tous des traîtres. Fin de citation. Première question : est-ce que vous avez assisté à une réunion dans le district de Sandan de Kampong Thom au cours de laquelle Kepok vous aurait interpellé en vous demandant de détruire tous les Cham parce qu'ils étaient des traîtres. No, I did not attend such a meeting in Samdan. Pas participé à une telle réunion à Samdan. I actually did not go there, and when usually I rode a motorbike, my messenger did not write me. He would actually sit behind me, and I was the one who rode the motorbike. Derrière moi, c'est moi qui conduisais la moto. Est-ce que il y avait une autre personne du nom de Ho qui était dans le district de Krochmar? Et est-ce que vous avez une explication à pourquoi plusieurs Cham ont indiqué que Ho, chef de district de Krochmar, avait procédé à des exécutions massives de Cham? I do not know. Je ne sais pas. When I attended the study sessions at the upper level, I did not receive any instruction to purge the Cham people, not at all, despite the fact that the situation at that time was chaotic. Malgré le fait que la situation était chaotique. And Kepok never set a plan to purge the Cham people. Établi de plan pour éliminer les Cham. If there was such a plan, then the Cham people who lived near the area of the Pianchuk would all have been killed. To my knowledge, it was those people involved in the rebellion was purged, not the Cham people. And like what you just described about forcing the Cham people to eat the pork soup or forcing them off of their houses, no, it did not happen. Non.
And when I was at the work site, we actually killed a cow for people to eat. And there was nothing to do with the pork. On avait abattu une vache pour que les gens mangent, il n'y avait pas de porc. J'en ai terminé de mes questions, Monsieur le Président. Mon confrère Kung Samon a quelques questions complémentaires. President, thank you. And Councilor Kung Samon, you have the floor. Maître Kung Samon, avez la parole. Thank you, Mr. President, and good afternoon, Mr. Witness. Merci, Monsieur le Président. In your last response, dans votre you talk about jam at Trapianchuk. Vous avez parlé des jam Where à Trapianchuk? Trapianchuk answer is in Kumbang, in Kampong Thom. Trapianchuk is located along the national main road. Plutôt, Trapianchuk est le long de la route nationale. And if there was actually a purge plan from the center to kill the Jam people, then they would all have been killed. Question. Did you have any contact or did you have any jurisdiction in the area of Trapianchuk? Compétence à Trapianchuk? Pouvoir, Answer, no, I réponse, did not. Non. But I know Cham people in Trapianchuk remained living there. And as I said, there was no plan to purge Comme the Cham people. Il n'y avait aucun plan de purge des Cham. I believe it is my understanding that the enemy against the Khmer people was not Cham people, but was the Vietnamese one. Counsel, thank you. Maître Consulman, merci. In relation to your testimony yesterday at 10:46:11, a little bit after that, un peu après ce you testified about going to be a district secretary. And you spoke about the two communes, that is Levier and Chamkardong. De Levier et de Chamkardong. And for the rest of the communes in the districts, they were autonomous. My question to you is the following. Et donc? What do you mean when you said the rest of the communes que were autonomous? Quand vous avez dit que les autres communes étaient autonomes? Answer. No, it was not Klochma, it was the Chamkale district. District. I was assigned to take charge of the two communes. À la tête des deux communes. And another member actually was in charge Et of the three or four other communes. Communes. And they were kind of autonomous. Un peu autonome, I myself spent a lot of time at the work site and at the dam, the construction site. Donc, un chantier du barrage. Question. Thank you for that. But I'd like you to explain to the chamber what you mean when you said that those communes acted autonomously. Le fait que ces communes ont agi de façon autonome. Answer. There was no purge in the Chamkale district anymore because those who were accused of being CIA agents had all been purged and the new people from the southwest came to control the area in their own commune. So they prepared or worked or organized their own respective communes while we administered and managed our respective communes. Que nous gérions nos communes respectives. And that's how it worked. Et c'était comme ça. Question. You spoke about the organization of the communes. Vous avez parlé de l'organisation des communes. I imply that you mean that about the organization of cadres to be appointed to take charge of those communes. Des nominations Is my des cadres understanding à la tête de ces correct? Est-ce que j'ai bien compris?
Answer. Yes, a new commune chief server appointed. On a nommé de nouveaux and chefs de commune. After the appointment, then the deputy would be appointed, then the cooperative server to be established. On établissait, on nommait l'adjoint et on établissait des coopératives. Question. What about other areas, for example, for rice production or food regime? How was it organized in those so-called autonomous communes? Comment cela était-il organisé dans ces supposées, enfin, dans ces Answer. Communes autonomes? Before the event Réponse. Of the CIA purge, avant l'incident de la purge des éléments de la CIA, they ate rice mixed with the corn. Even later on, they continued to eat rice with the with corn. Et plus tard and sometimes aussi, they had to eat gruel. But we planted a lot of corn in order to use it to supplement our rice. As for the rice production, I did not know where the yield had been sent to. Je ne sais pas où la récolte a été envoyée. And that people did not have rice to eat. Et les gens n'avaient pas de riz à manger. And then we actually heard a phrase or a joke that we worked in the rice field, but we did not eat rice, but ate gruel instead. On ne mange pas de riz, on mange de la bouillie plutôt. Question in relation to the rebellion that you have testified that the people were shot, and that one of your deputies was shot. Can you recall when that was? Vous souvenez-vous quand cela s'est produit? Answer, no, réponse. I cannot recall it. Non, je ne m'en souviens pas. And as it happened, only shortly after my arrival, maybe about one and a half months after my arrival, mon arrivée, peut-être un mois et demi at après. That time I was at the work site and I was told that he was shot through the left side of his chest. Reçu une balle dans le côté and gauche actually de later, la poitrine. Al passed away in around 1990. Et est ensuite décédé en 1990. Question. Can you try to remember that is after that shooting incident? Après cet incident? How far was it from the time that the regime fell? Était-ce bien avant la chute du régime? Answer. Through my understanding, it was about 3 months prior to the fall of the regime. Trois mois avant la fin du régime. Because by the time the center ordered me to be assigned to Jamkale, it happened about 1 month after my arrival. C'était environ un mois après mon arrivée là-bas. As I said, Eun told me that Sun Sen instructed me to go and meet with the people and in order to calm them down and not to rebel. Pour les calmer, pour and that the rebellion activity was taking place. Car il y avait so des that I had to present myself there to make to assure them that I was not killed and that they should not engage in any rebellious activity. Because at that time they did not trust the cadre. Il ne faisait pas confiance au cadre qui était là. Question. You talk about the rebellion by the militia group. Did it happen throughout the communes under your supervision, or it only happened in a specific location? Dont vous aviez la supervision ou à un seul endroit? Answer. Réponse. Those so-called separatists. Ces séparatistes. Fled to the forest, but I did not know where they were hiding themselves. Mais je so and the soldiers cachés. Who were trained also fled to the forest. Eux aussi and se sont about three or four days later, jours plus they tard, emerged. Ils in, sont réapparus. Jamkale. Jamkale. And actually, I saw Ron, but later on, Ron disappeared. Et Ron ensuite disparu. And people were evacuated. Et l'on a évacué des gens.
And later on, I saw Son Sen at Bucknow. J'ai vu Son Sen à Bucknow. Question. Question. You spoke about relocating your work office during the later part of the regime. That it was not at a fixed location. N'était pas un endroit fixe vers la fin du régime. My question to you is the following. Who was actually in charge of managing the people at that time? Were the people under your supervision, that is under the Democratic Cambodia supervision, or under the supervision of the so-called separatist group? La population était sous le contrôle du Cambodge démocratique, c'est-à-dire vous ou le groupe que vous avez appelé les séparatistes? At that time, the people did not feel comfortable of staying in one place, and it seems that they did not they were not satisfied with DK leadership. Ils n'étaient pas heureux, satisfaits de la gouvernance du Cambodge démocratique. And then training was provided to them. On les a entraînés. But somehow they were herded to the forest by the separatist group. And of course, by that time, we did not have any artillery to bomb them or to shell them in the forest. Pour les bombarder. Question. So, from what you just said, question. During the last 3 months, the management in your area is rather confusing because geographically it was under the hand or the control of the separatists who were against the leadership of the Democratic Cambodia. Am I correct? Dirigeants du Cambodia démocratique. Ai-je raison? Answer. No, that is not correct. Non, ce n'est pas because ça. We still had our forces, and our forces were more superior than the separatists. We had the forces on the ground and also at the battlefield, while the separatist forces were at the district demarcation line. Au niveau de la frontière du district. There was no large scale attack, but they were in a so-called militia group to fire at our force whenever they could, and for that reason people had to be evacuated. C'est pourquoi il a fallu évacuer les gens. Thank you, Mr. Witness and Mr. President. I don't have any further questions for this witness. Plus de questions pour ce témoin. President, thank you, and hearing of testimony of witness Mansier is now concluded, and the chamber is grateful of your time and testimony, Mr. Bansi, for the last 2 days. Your testimony may contribute to ascertaining the truth in this case. You are no longer required to be present in the courtroom, and you may return to your residence or wherever you wish to go to, and we wish you all the very best. And the chamber also would like to thank the Duty Council, Duty Paris, and you may also rest. Court officer, please collaborate with the Visu to make necessary transportation arrangements for Mr. Bansi to return to his residence or wherever he wishes to return to. Next, the chamber will hear testimony of a witness, that is 2TCW904. And court officer, please assert the next witness into the courtroom. Hello, Marie. And Mr. Allez-y, some group item. Monsieur le Président. Mr. Duc Paris, please proceed. Mr. President. Étant donné que je suis également l'avocat de permanence pour assister le témoin suivant, pourrais-je rester ici, le président? Oui. Can I just stay seated here, President? Yes.
President, Mr. Witness, what is your name? Monsieur le témoin, quel est votre nom? Witness, good afternoon, Mr. President. My name is Sok Rum Lee. Bonjour, Monsieur le Président, je suis Sok Rum Lee. President, thank you, Mr. Sok Rum Lee. And when were you born? Quelle est votre date de naissance? I was born in 1955. Je suis né en 1955. President, thank you. And where were you born? Où êtes-vous né? Answer. I was born in Trier B village, Trier sub-district, Krochma district, Kampong Cham province. Question. And where is your current address and what is your occupation? Answer. My present address is at Trier B village, Trier district, commune, Krochma district, Kampong Cham province. I am a rice farmer. Question. What are the names of your parents? Comment se nomment vos parents? Answer. My father is Ahmad Yusuf. Réponse. Ahmad Yusuf. And my mother is Tuni Aïssa. Se nomme Tuni Aïssa. President, thank President, you. Je vous remercie. And what is your wife's name? And how Quel many children do you femme? Have? Combien d'enfants avez-vous avec elle? Answer. My wife is Ismael Aïssa, and I am a father of six children. Isaac, et je suis père de six enfants. President, Mr. Sokrum Lee, as reported by the Graffier, that to your best knowledge and ability, you are not related by blood or by law through any of the two accused, that is Nunchi and Kisum Horn, or through any of the civil parties admitted in this case. Is this information correct? Cette information est-elle exacte? Answer, yes, that is correct. Oui, c'est exact. President and Mr. Sokrumli, President, Monsieur Sokrumli, what religion do you practice? Quelle est votre religion? Answer, I practice Islamic religion. Réponse. President, thank Je you. Suis musulman. Mr. President. M. Hoy, Merci, Monsieur M. Hoy. Please proceed with the swearing in of this witness according to his Veuillez religion. Passer à la prestation de serment par ce témoin en fonction Graffier. De sa religion. Graffier. Good afternoon, Mr. Witness. Monsieur le témoin, bonjour. Allow me to lead you in the proceeding of swearing in. Please place your hand on the holy text of our Quran before you. And please repeat after me. Mr. Witness, please repeat. I would like to answer only the truth from what I witnessed, heard, know, and remember, in the name of an Islamic believer who have only Allah as God, Muhammad as Allah's messenger, and the Holy Quran as the guideline for me to follow, I would like to swear in front of the Holy Quran, le Coran, Wallahi billahi, Wallahi billahi, which verify that all what I am going to say is true. Tout ce que je vais dire est vrai. Please repeat the words. Witness, I would like to answer only the truth from what I witnessed, heard, know, and remember. In the name of an Islamic believer who have only Allah as God, Muhammad as Allah's messenger, and the Holy Quran as a guideline for me to follow, I would like to swear in front of the Holy Quran
Wallahi billahi, billahi, which verify that all what I am going to say is true. Thank you. Je vous remercie. President, thank you. Merci. And the chamber would like to inform you of your rights and obligations as a witness. Now, about your rights. Mr. Sahrum Lee, as a witness in the proceedings before the chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. That is your right against self-incrimination. This means that you may refuse to provide your response or make any comment that could lead you to being prosecuted. Now, on your obligations, as a witness, in the proceeding before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comment to those questions may incriminate you, as the chamber has just informed you of your right as a witness. And you must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or the parties posed to you. And Mr. Sahrum Lee, have you been interviewed by investigator of the Office of the Co-Investigating Judges? If so, how many times, when, and where? Quand et où? Answer. I have been interviewed for 3 times. The first 2 times was at my residence, and the third time was at the Kampong Cham provincial town. President, thank you. And before your appearance before the chamber, have you reviewed or read the written records of your statements that you provided to the OCRJ investigators at your home and at the Kampong Cham provincial town in order to refresh your memory? Answer, yes, I have. President, thank you. And to your best knowledge and recollection, can you tell the chamber whether the WRI's accurate records of what you said during the interviews with the OCRJ investigators? Answer. Most of the statements are consistent, however, some are not. President, thank you. And pursuant to Rule 91B of the ECCC internal rules, the Chamber hands the floor for us to the co-prosecutors to put questions to this witness. You may proceed. I notice that Counsel Copper is on his feet. You may proceed, Counsel. Thank you, Mr. President. Merci, although I'm not entirely sure as to why the witness has sought counsel, of course that is completely up to him. But what I do find problematic is that he is being assisted by the same counsel as previous witness. And you might recall that only an hour ago my colleague from the Kyusapan defense team confronted the previous witness with a statement of this witness who is now before you. So there does seem to be a conflict of interest with Mr. Duc Barry. So I'm not quite sure whether it would be appropriate for this particular witness to be assisted by the same counsel as the previous witness.
La Chambre vous remercie, Maître, de votre opinion. La Chambre n'est pas sûre de la question. Voilà, nous sommes confrontés à ce problème maintenant même. Nous n'avons pas eu d'informations auparavant. L'avocat de permanence doit faire l'objet de considérations par rapport aux commentaires soulevés par Maître Copé, étant donné que le temps passe et que il sera bientôt 4 heures, donc l'audience est suspendue, est levée aujourd'hui, et demain l'audience reprendra à 9 heures du matin, donc le 7 octobre 2015. La Chambre entendra ce témoin, et il y aura un témoin de réserve, TCW, sur le chantier de trapiantement. La Chambre va informer les parties de la question soulevée par de la solution à la question posée par Maître Copé demain matin. Monsieur Soromli, votre déposition ne touche pas encore à la fin. Demain, l'audience reprendra à 9 heures du matin. Merci, Maître Duc Paris. La question est nouvelle pour nous, les juges. C'est la première fois que nous avons rencontré cette question et nous allons vous rendre une décision demain matin avant la reprise de l'audience. Huissier d'audience en concertation avec la section d'appui aux témoins. Veuillez conduire le témoin là où il souhaite aller. Et agent de sécurité, veuillez reconduire Nuntier Kesson Pan à la cellule de détention et les reconduire dans le prétoire avant 9 heures du matin. L'audience est levée. To the courtroom tomorrow morning at 9 a.m. The hearing is adjourned.